L'ASSOAP, nouvelle association d'experts financiers de l'UEMOA, a officiellement démarré ses activités ce lundi 27 mai. Cette initiative vise à améliorer l'intégrité, la transparence et l'efficacité des marchés financiers régionaux. L'ASSOAP prévoit des formations continues, la promotion des meilleures pratiques et la publication de rapports sur les marchés financiers de l'UEMOA. Le compte-rendu de Diane Kablankan et de Tima Traoré. La Société ouest-africaine des analystes financiers et professionnels de l'investissement de l'UEMOA, SOAP, a marqué un tournant important dans le développement du marché financier régional. Elle a procédé ce lundi, au siège du patronat ivoirien au plateau, à sa présentation officielle couplée du démarrage de ses activités. Cette association, qui regroupe des analystes financiers et des professionnels de l'investissement de l'Union monétaire ouest-africaine, UEMOA, vise à renforcer l'intégrité, la transparence et l'efficacité du marché financier régional. Alors, il s'agit aujourd'hui de présenter notre association et également de lancer le coup d'envoi donc, de nos activités. Cette association a été constituée en septembre 2023 en Côte d'Ivoire. C'est une association régionale donc, qui couvre les 8 pays de la zone UEMOA. Et l'objectif de cette association est de favoriser, de contribuer donc au développement du marché financier et également d'arriver à une meilleure professionnalisation des métiers de la finance. Le président de la SOAP n'a pas manqué de souligner l'importance de la collaboration entre les différents acteurs du marché pour atteindre les objectifs fixés. Les activités de la SOAP incluront la formation continue des analystes financiers, la promotion des meilleures pratiques en matière d'investissement et l'organisation de conférences et séminaires destinés à sensibiliser et à éduquer les acteurs du marché. L'association prévoit également de publier des rapports réguliers sur l'état des marchés financiers de l'UEMOA, fournissant ainsi des analyses des investisseurs et aux décideurs économiques. Alors déjà, de faire confiance au marché, ça c'est un élément très important. Le marché a été régionalisé en 1999. Et environ 30 années plus tard, nous avons fait d'énormes progrès. Nous continuons ces progrès, mais nous ne pouvons continuer ce progrès que si nous avons des hommes de qualité qui sont au sein donc de ces organisations qui gèrent au quotidien le marché financier régional. Notons qu'en rassemblant les talents et en promouvant une culture de transparence et de professionnalisme, la SOAP se positionne comme un acteur clé dans le développement économique de la région.